lancement jodi a on annonce campagne électorale la k'ap ouvri pour candidat à la présidence nous en la personne de Jules Célestin 31 août qu'a fait dans Arcaillé. Nous invitons, nous profiter de micro ça pour inviter toute population archéloise là et les zones avoisinantes, Cabaret, Titanien, Casal, nous demandons à tous pour aller aucun événement ça va le passer mercredi 31 août là. Vous savez, les gens qui disent, c'est eux-mêmes qui bouillent avec Denawe. Ils ont campagne du Célestin à lancer longtemps de quoi caillé. Nous avons souhaité que la presse ait fourni deux gels pour le garder. Parce que là, là nous voyons les gens qui viennent de tous côtés en campagne électorale, ça, en lancement ça. En conséquence, nous t'avons demandé chaque membre de la presse qu'il a, pour ce pas les gens qui viennent dire, parce que l'événement que nous avons produit, son spectacle a nul autre pareil. Donc, journée lundi 29, là, nous avons pris et nous avons choisi pour nous faire une conférence de presse. Là. Mais une conférence de presse qui, déjà, annoncer la couleur. Mais sinon, regardez toute presse qu'il a. Je me demande est-ce qu'il y a une presse. Est-ce qu'il y a une presse de l'autre côté? Je ne sais pas. Donc, je dis que le candidat à la présidence, nous, en Jules Célestin, qui sont candidats gagnants. Donc, je demande à la presse pour 31 août ça, pour personne ne va être la caille. Personne ne va être la radio. Yo. Pour tout le monde déplacé pour assister à l'événement ça. Et un événement qui est sans précédent. Dans ce sens, moi je dis nous pourrons accompagner un candidat gagnant. Et vous me clair avec nous, cette fois-ci, pas de courage dans le là. Mais tout le monde connaît, candidat nous, Jules Célestin, pour aller remporter la victoire là, depuis le premier tour élection ça. Donc nous dit, tout le monde dit là, nous comptons le slogan déjà. Résistance, 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 victoire, c'est pour Jules Célestin, pour la paix et pour reste candidat au Sénat sous bannière. La paix. Nous allons lancer la campagne non, mercredi 31 août dans la ville Akaé. Moi, je voulais signaler nous la campagne ça, nous allons lancer. Ya. Nous allons lancer dans un contexte un peu différent. Nous songer démarche candidat nous, hein. Jules Célestin est engagé. Et qui permettent nous qu'on y a profiter d'une certaine stabilité dans le pays. Elle était dérefusée, participer dans le deuxième tour, une élection, côté résultat, était connu d'avance. Nous songeons à la suite de ça, une constitution, groupe G8 là. Nous songeons tout. Constitution, commission vérification hein, qui vient démontrer quantité irrégularité, quantité fraude qui t'est gagné. Et c'est même commission vérification ça qui t'est demandé pour te refaire élection présidentielle. Là. Au moment confirmation pour candidat qui t'est voulu aller dans premier tour, nouvelle élection présidentielle là, un événement sans pareil qui produit dans le pays. Il y a des candidats qui étaient dans G8 là, ensemble avec
Jules Célestin, qui décide pas porter comme candidat, mais qui décide appuyer Jude Célestin comme candidat à la présidence. Démarche ça, il vient impliquer que le programme de notre candidat, Jude Célestin, nous t'es obligé de refaire, remanier. Le programme, nous pourrons le défendre qu'on y a. Ce n'est pas seulement le programme candidat Jude Célestin, candidat à la paix, c'est programme candidat Éric Jean-Baptiste, c'est programme candidat Sauveur Pierre-Étienne, c'est programme candidat Steven Benoît. Ils ont tout fait ensemble et ils ont écrit un nouveau programme politique. Bon, c'est son bagage qui est tellement nouveau, nous sommes obligés de signaler pour la presse nationale et internationale. Et en attendant de arriver dans le jour ça, côté officiellement, nous allons annoncer l'ouverture de campagne. Le candidat Jude Célestin lui-même est entré dans une démarche de porte à porte. Côté les visiter à pied, toute première circonscription, toute troisième circonscription, toute deuxième circonscription, les visiter plusieurs départements, dont le plateau central, dont le nord-est, dont le nord, dont le Haut-Artibonite. Cité Soleil, il était visité la semaine passée. Donc, moi pense que qu'on y a nous paré pour nous entrer dans la campagne. Et nous choisissons Arcaër. Nous choisissons Arcaër et je veux dire deux bagages sur Arcaër. Nous choisissons Arcaër parce que Arcaër représentait pour tout pays, pour toute histoire nous, un symbole. Mais nous ne voulons pas un rapport, nous avons dit passéiste à symbole ça. Tout le monde qui a Arcaër a comprendre que le candidat Jude Célestin à la recherche de une stabilité politique et institutionnelle pour le pays ça. C'est pas qu'on y a pour me dire qui ça fera le fait à Arcaër pour nous jouer un signe de détermination candidat pour construire une véritable stabilité politique et civile en Haïti. Mais nous tous qui pourrons aller à Arcaër, nous tous que nous invitons à aller à Arcaër, nous sommes capables de comprendre ça facilement. Jodia, c'est résistance ça, c'est détermination ça, qui marié avec une conviction, qui fait Jodia, pays a pas tomber dans une situation de non-retour. Nous ne sommes pas capables de saluer pour l'autorisation ça, pour responsabilité du prend, pour la démocratie dans le pays. 6 ans 7 nous, nous-mêmes, nous défendons résistance et nous défendons liberté avec ZAM. Eh bien, conviction, détermination, Jules Célestin, eh bien, je dis à Liban, nous, nous l'autre libération encore. Et ça doit marquer l'histoire de tout le monde. Et quel que soit le candidat aujourd'hui à la campagne, il a dû prendre 10 minutes pour Jules Célestin, parce que n'était-ce pas vigilance, ni détermination, ni volonté, eh bien, je dis, nous avons déjà boué ça pour nous débrouiller. Eh bien, dans le cadre de ça, conviction et détermination, ça va continuer à guider nous. Et c'est ça qui va mener nous dans le chemin de victoire. Mais c'est ça qui fait nous inviter toute organisation populaire, nous inviter toute marchande, nous inviter toute commerçante, nous inviter organisation paysanne, nous inviter toutes mesdames, les femmes, qui croient notre capacité, notre dévouement Jules Célestin, pour nous accueillir, pour accompagner nous, nos responsables. Et accueillir symboliser résistance. Et même résistance ça, qui va permettre nous arriver au pouvoir et pour nous remporter la victoire, pour nous sortir du pays dans cette situation ça.